Test. Ah, ça y est. Ok, je pense que c'est mieux. Yes. Ah ouais. parfait. Ouais, c'est le jour où j'offre des gemmes. Je rêve. Salut, Wanner. Bon, je disais donc, je commence par cette tour du Nidja, parce que c'est le plus chiant. Et après, je ferai les tournois Raid et la GTA. J'ai quand même bien envie de me débarrasser de la tour des ninjas, là qu'on n'en parle plus. C'est météorites. Et le pire, c'est que euh, sur le premier bonus euh, doré, là, on a envie euh, soit d'avoir l'attaque qui augmente 10 fois, là, soit euh, le super bonus, soit d'avoir le bonus qui fait que euh, quand on a des... Quand on déclenche des CS, on gagne du mana. Et j'ai ni l'un ni l'autre, j'ai été obligé de prendre un bonus tout pourri. Euh, à savoir la défense et j'avais deux autres merdes avec ça encore plus à rien bon je pense que là c'est pas trop la peine de se couler encore ça devait être des niveaux tranquilles salut <coughs> je jeu daga ouais ouais ce serait cool j'ai plein de choses à faire c'est vrai que des je sais pas ce que c'est qu'un duel live mais des échanges et tout ce serait cool aussi il faut que je regarde comment paramétrer ça Pareil, je dois regarder comment marche Discord et tout, pour faire des trucs dessus, mais ça prend du temps. Euh, Cacherec, bon Cacherec il peut passer à la casserole, je m'en fous un peu. On regarde, sauf gros combo, Cacherec. Bon je crois qu'en plus il est sorcier lui, il ouais, doit marcher 15. Bon ouais, 1 sur 5. J'irai jamais au bout. Du pixels. Ah, j'ai pas regardé la GDH, je sais pas comment on s'en sort pour le moment. Est-ce que ça vaut le coup que je m'applique ou pas Je crois enfin, que j'ai vu le... On joue contre une alliance très très forte là. Hein. À mon avis. Euh... Enfin, j'ai vu que Subaris n'était pas... pas serein serein quoi. Ah, c'est tendu. On pourra peut-être y aller cool comme ça. C'est qu'on en a gagné pas mal à la suite là donc du coup c'est normal qu'on se prenne des... des teams qui sont un peu chaudes là en ce moment alors qu'on fasse le faire en tank comme c'est la grosse mode on peut gagner bon si isar fait, fait si one shot ça devrait être bon on va aller regarder après si, si arc à scorer aujourd'hui. Oh non, mon diamant vert qui s'en va juste avant le boss. Oh là là. Quelle poisse. Bon, la bête, il peut rentrer chez lui. Oh, il n'y a plus un verre sur le plateau. Que chier. Bon, là, ça va, les 10 premiers niveaux, ça reste quand même assez, assez mignon. Bon, sur les boss, ça peut mal se passer. Est-ce que j'ai envie de cramer mes trois verres pour faire un diamant, là Oh, allez, on va être joueur. <laughs> oh non la gros guignol' je joue rien du tout hein. franchement les, les tours j'en peux plus elles reviennent trop souvent et euh, moi je vais chercher le coffre en fait chaque jour je fais mes énergies donc je, je fais les 50 et je monte euh, voilà je finis au niveau 25 du niveau difficile 24 si jamais je l'en euh, ça arrive que j'en ratins mais euh, c'est trop long c'est beaucoup trop long j'en peux plus quoi D'habitude, j'allais au bout du niveau difficile, mais là, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien, et, et ça prend une éternité maintenant qu'ils ont changé les manus. Donc, ça se fait plus facilement, je trouve, notamment euh, grâce au bonus qui fait que quand on enclenche quelqu'un, euh, ça donne du mana à tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est long, le fait qu'on puisse plus jouer en mono là et leur faire des dégâts. Euh... Donc, je fais à rien du tout. Hein. Ouais, après, bah ça coûte cher en objet, mais c'est vrai qu'il y a les emblèmes et tout. Oh putain, faut que je fasse gaffe quand même là, ça commence à taper déjà. Bon, la baine qui est presque mort là J'essaie de sauver lui la baine tant pis euh. l'avantage de faire ça c'est qu'effectivement déjà ça me coûte pas d'objet en plus je peux jouer sans réfléchir Vous voyez rien à battre de me faire bannir des cacherec ou autre là. et puis au final être niveau 25 euh, difficile euh, c'est pas mal quoi parce que le fait de finir le difficile au final on gagne pas de coffre donc euh, on gagne pas tant que ça quoi on gagne des emblèmes hein, c'est sûr mais bon le fait de laisser des niveaux de côté c'est pas grave. Je pense que s'il y avait un coffre tout en haut du niveau difficile, je m'obligerais à le faire. Allez, c'est la chienlit, là, filez moi du verre. Ah oui. Oh là là, parfait. Ça suffit de râler ce soir. Ouais, après, même ceux qui finissent. Cool euh... Voilà bon c'est... Vous voyez sur le gros bonus, j'ai pas eu de bol, je me suis fait baiser, j'ai été obligé de prendre la défense. J'avais ni l'attaque ni les manas dedans. Sur les petits bonus, pour l'instant ça va. Euh, je prends attaque critique. Si je peux pas le mana. Mais là je suis bien content de pouvoir prendre l'attaque. Encore deux niveaux. Je vais en profiter pour jouer en violet, je crois. En rouge. Bah, je ne sais pas, Musashi, mais s'il propose toujours les bonus jaunes qui permettent de gagner du mana quand on enclenche, euh, le bug c'est le même alors, hein, parce que Gnofold il a toujours la même CS. Ouais, bah, mais Lars, dans le dernier coffre là, voilà, tout en haut, il y en a là-dedans qui ont des télescopes et tout. Hein. Donc celui-là peut permettre d'avoir un objet 5 étoiles. Euh, encore une proba ridicule à mon avis, petit 1%. Mais bon, ça a le mérite d'exister quoi. Donc on peut toujours le chercher en espérant euh, toucher quelque chose quoi. Je dis quoi c'est Anastasia et Anton. Bon, on va balancer du rouge, on verra bien. Allez hop, je... qui me passe sous la main. Très bien de mettre un soigneur, tiens beaucoup. Parfait. On a envie de soigne. Et elle. Ouais les autres, ça fera l'affaire. <coughs> Nickel, un beau plateau. De bon, toute manière, hein. beau 4 par un rouge. Il n'y plus de rouge. Ah, ah j'ai hâte que ce soit fini que je puisse faire ma GDA tranquille là. Tournoi Red, Oh l'enfer. Je joue depuis 30 secondes, il n'y a pas eu un match rouge. Ouais c'est ça, en plus après vers la fin, c'est... Si on joue sans objet, c'est genre 10 minutes par niveau. Hein à peu près quoi et j'ai vu même avec objet euh... Attends, je vois même pas de mouvement allez moi même avec objet c'est euh... enfin, en moins 3-4 minutes quoi même à coup de tornade et tout parce qu'on peut en emmener qu'une et du coup c'est euh... c'est interminable et des fois on gagne que 3 emblèmes ouais après des fois il y a 20 donc bon d'accord c'est le puzzle le plus horrible du monde là et ça peut-être se débloquer là haut Incroyable ce qui se passe là. Ah, celui-là, je suis bien content de l'avoir dans la tour et pas sur un puzzle de GDA parce que lui, il était irrécupérable. Hein oui. Allez. Ah c'est clair la tour de la loose. Franchement ceux qui vont au bout là, je sais pas s'il y en a sur le chat mais respect. Hein. <coughs> il y en a qui vont au bout, je suis très très impressionné. T'as raison, Guignol, il va au bout Ah, franchement, bravo, hein. c'était la patience. Franchement, même au-delà des objets qu'il faut, c'est euh, vraiment. Ouais, il faut avoir le, la patience de se le, le cirer quoi. Hein. Euh, Mac, il peut se faire bannir sans problème. Ouais, 25, je trouve, c'est. Ça Moi ça me fait mal de perdre les énergies surtout. Il me file 5 éner 10 énergies gratos par jour. Euh, franchement j'ai envie de les prendre quoi. Il file tellement rien dans ce jeu que. En plus je vois c'est un équivalent de 100 gm. Ouais j'ai envie de les prendre et. Et au moins je les fais quoi. voit la longueur du truc là. Je suis qu'au niveau 9. Hein. Je sais pas ce qui se passe, le puzzle est horrible. Rien. Ils vont réussir à me faire perdre au boss. Hein. Si j'ai un puzzle du même Akebi, je vais jamais y arriver. Là. Bâtard. Bon, après Anton, il peut déclencher. voir qu'il va rien rater. Enfin, dans le doute, je vais lui en mettre une petite fléchette. C'est trop jamais. Histoire qu'il qu soit bien sûr de rater s'il enclenche sa fois 1. Ah, c'est incroyable. J'ai jamais vu aussi peu de rouge sur un. Hein. Bon, par contre, nous, on devrait dégager ces petits papillons de merde là. Voilà. Ça, qu'elle est là. 42. Ouais, c'est pas malin. Salut Yvan. Bienvenue. Ah, c'est vrai que moi, perso, je suis jamais tenté d'aller au bout depuis qu'ils ont changé là les, les malus et euh, qu'il faut mettre des routes de couleur différentes. Avant j'ai finissais euh, tranquille. Je me rappelle avoir fini la tour de la magie niveau impossible avec Okmoon avant. Et maintenant qu'il y a les malus et qu'il tape beaucoup plus fort, euh, ouais, c'est plus la même hein. Je pense qu'à la fin, sans objet, ça devient, euh, ça devient réellement impossible sans objet, quoi. Putain, il y a Meteorite qui a dû encore faire une grosse vanne, mais je l'ai même pas. Si il vend du. Putain, il vend des tuiles, ça va marcher mieux. Ah, euh, oh, je vais prendre un truc sur Noor. Ah, C'est pas grave, allez. On s'en fout. On s'en fout de cette tour. Putain, laissez-moi finir qu'on n'en parle plus. Allez. Super. T'es vachement bien. Ah, oh, il y a toujours pas mort, tu sais. va me remettre des sbires en plus. Oh, misère. Crever. Oui 5 minutes On est au niveau 9 et j'en ai déjà pour cinq minutes. Ah là là, et vous, vous êtes tous sur le chat en train de me regarder faire ma propre tour magie <laughs> en plus de faire la vôtre. Oh, tout le monde est banni. Putain, <laughs> c'est quoi Je vais même pas réussir Bon, le rouge, je m'en sers pas beaucoup. Hein. On va avouer. Euh, là on a un Dolgoon quand même, on va mettre de, de quoi rincer notre ami Dolgoon. Est-ce qu'on va lui baisser sa défense On va lui mettre un Gormek si jamais il veut faire le kéké. Voilà. Moi enfin, je sais que Gormek costume peut rester là pendant des heures. Il est. On a d'autres là. Ah, est... bon Une hein. Dame Loki, très bien. Mais le, le rouge je joue vraiment peu hein, sur ces tours là. Et surtout ma mono jaune en général, euh, ça va jusqu'au bout quoi. Allez, dernier niveau. Ouais, de toute manière, s'il n'y a pas de bonne blague, j'achète des recharges et je finis la tour. Je vous fais un live uniquement sur la tour. On va jusqu'au niveau difficile. Arrête, il est très bien encore, mec. Bon, après deux ans de jeu, il est sûrement un peu dépassé du coup. Ah, le costume est pas mal aussi pour les sbires, et il peut servir. Hein. Ah, bah là, il va être obligé de me filer un peu de fil rouge. Et parfait. Alors je mise sur les sbires de Nour qui vont claquer tout le monde. Finition de la tour, ouais. Vous êtes passage, vous soixante 75 niveaux de tour à la suite. Avec interdiction de quitter le stream. Alors <laughs> là, c'est pas possible. Hein. D'ailleurs, même, euh, même pour 200 balles, je le ferai pas là. Hein. Ça finira à 4 heures du match, si pas. Ok. Ah, tout le monde va avoir à quoi pôner, oui. Hop hop hop, diamant. Allez, qu'on finisse. Oh, le diamant, cool. Parfait. Vous pouvez ne pas le péter. Oh, il va péter, ouf. Ce serait bien que j'arrive à le conserver celui-là. Oh merde, j'aurais dû jouer lentement. Oh, bah, lui, il va finir à coup de flèche. Allez, je tente un petit move, je vais chercher un peu d'autres rouges. Il ouais. n'y ah, a pas beaucoup, de, pas beaucoup de rouges, on peut attendre d'en avoir un peu d'autres. Non, bon. c'est déjà ça, ça a déjà gagné du temps. Trois comptes, ah oh, ouais, mais trois comptes, moi je fais pas la tour. <laughs> Allez. Le bonheur est multiplié par 3, quelle chance. Ah oh, ouais, 3 comptes, bah là tu déjà une fois merci ça dit que je crois que Williams il a deux comptes et j'ai vu qu'une ou deux fois les deux comptes il a fini la il a amené jusqu'au bout quoi alors ok il a des objets mais quand même le temps de fou sur ces deux comptes il avait fini le impossible le niveau impossible quoi Ah, celui-là on est sur du 3 minutes, c'est déjà plus raisonnable. Le puzzle était plus clément. Mais bon, 3 minutes, on est au niveau 10, ça fait peur quand même. Hein. Ok, on va pouvoir aller faire des trucs intéressants maintenant. En plus j'ai un beau coffre, je vais avoir 30 emblèmes. Oh les bâtards, putain. Ils m'ont même pas mis les critiques. Bon je vais prendre la génération de mana, ça sert quand même. Hein. La génération de mana qui est meilleure que 5% de mana tous les 5 tours. Enfin moi je trouve. Hop. Attention suspense. Oh en bois dur. Oh là 10 emblèmes et 10 pièces. Est-ce que j'ai pas gagné une invocation avec tout ça Même pas. 76. Dommage, on verra une invocation demain. J'aurais rien mis de à tenir. Bon je ferai pas beaucoup d'invoques mais j'avais déjà fait pas mal. Hein. J'ai motéga j'ai tous les 4 étoiles. Et par contre, je suis dégoûté, j'avais 4 ou 5 Dol'Gun et j'ai oublié d'en bloquer un, je les ai tous bouffés. Donc je serais pas contre avoir Dol'Gun, puisque du coup, c'est un très bon héros. Ah ouais, bah c'est dommage que tu puisses pas regrouper tout ça sur le même compte, c'est un peu con. Voilà, on y va. Alors, il y a eu un repop, alors on va peut-être faire la guerre pendant que c'est possible. Alors, Ok, donc c'est quoi comme guerre C'est les flèches. Tank rouge, apparemment c'est la nouvelle mode, un hein. Tank rouge avec que des, que des ferrants. C'est apparemment tant que euh, c'est ce qui se passe en ce moment dans les top teams. Ils mettent que des ferrents tank. Ça remplace même les Xnofold. Euh, je suis en train de chercher une team avec des sbires pour aller caser Mascadi. J'aime beaucoup celle-là. Il me semble, je peux me tromper, mais je crois que si Grenat déclenche et les immunise, il me semble que quand même si je tue des sbires avec Mascadie, ils vont prendre le malus, malgré le truc de Grenat. J'en suis quasiment certain. <coughs> Euh, bon, si je me gourre, ça, ça va être une auto-défaite euh, sans réfléchir mais non je suis vraiment quasiment sûr de moi. On va y aller. C'est surtout du coup. j'aurais ah, bon là j'ai pas le temps mais j'hésite beaucoup à... à remplacer mon mouton par d'André là. Euh, emblémé d'André, peut-être même le limite break, et sortir le mouton de cette team pour jouer à Dandré. La trouve 23, à mon avis, elle sera encore meilleure. Euh, ouais, ce serait euh, faudra que je fasse ça à l'avenir, mais bon, là il n'y a pas le temps. Ok, bon, on va le faire. Ah, je suis vraiment je suis quasiment sûr. Après, il y a Allez, on y va, pas pour la science. Par contre, la baisse de défense de Kirill ne marchera pas. Euh, ça vaut peut-être le coup que je passe le Kirill normal, en revanche. vais mettre le Kirill normal, puisque là, la baisse de défense a toutes les chances de ne pas marcher, clairement. Oh, pas de mal. <laughs> Tout le monde veut me voir remettre mon frère Tuck. On y va, quand on voit la chance que j'ai aujourd'hui là. Zéro troupe magique. Ah, isark Qu'est-ce qu'il a fait, isark Je vois dans le chat qu'il a fait quelque chose de pas bien. On ira voir après. Oh, est-ce que j'ai pas un super mouvement là? Un violet, ça fait les verts, les rouges. Ah, celui-là, il me paraît vachement bien. Gros combo 3, plein centre. Là, de toute manière, on va accepter grenade et en boucle. Hein. Euh. On va pas la tuer avec les tuiles, ça va durer, donc on va accepter qu'elle nous balance des fois 1, des fois 2, des fois 3 et qu'elle overheal tout le monde. Ce raid peut durer longtemps, je m'en fiche, c'est June qui me fait peur. Si June il me sort dit avant que j'ai pu euh, mettre les trucs, je suis pas bien. Bon là ce mouvement m'a l'air super hein. Hop, 9 tuiles qui dégagent, de toute manière il n'y a pas de bleu là, donc oh là là, il du vert et du violet. Putain ça commence mal cette histoire. mal de perdre avec cette team, ça perd jamais ça. Je vais aller chercher mon violet là-haut pour faire les bleus tout seul. Bon déjà je aussi plutôt me contenter, je vais... du coup je vais annuler, je voulais faire les violets suivi des bleus. Là je vois que j'ai quand même trois rouges et trois rouges, j'ai pas envie de déséquilibrer ce... ce socle de trois là, je vais les prendre. J'ai envie de trouver test si jamais ça se passe vraiment mal et que je continue à avoir que du violet et du... <coughs> Euh, ce que j'attends pour Vanda. On fout un peu. Je vais l'envoyer pour l'envoyer deux fois même. Bon, trois bleus. Encore, euh, encore six. Et on voit que c'est l'équipe parfaite. Hein. Euh, là je peux jouer longtemps. Je peux me soigner tranquille. Et a un moment il va falloir me filer du bleu parce que ça va être un peu chiant sinon. <laughs> Est-ce que j'attends un peu pour mettre Boltusk? Je suis quand même pas prêt de retrouver un soigneur, ça se passe très mal. Encore un bon mouvement là avec les verts. Je aussi faire les... ça me fera mon deuxième bleu et... Je vais attendre de prendre un peu de dégâts. June n'est pas prêt. Je vais garder Boltusk pour l'enclencher juste avant June, mais bon je perds trois rouges. Enfin en tout cas je trouve mes autres bleus. <coughs> bon, je vais quand même mettre Boltusk, on sait jamais. C'est con parce que je risque de détruire des papillons avec vendage. Je ne sais pas trop si j'ai envie de la mettre. Elle empêchera que j'ai le. Ouais, je vais quand même la mettre. Salut Théo Bon. Deuxième match bleu. Allez, un petit bleu là. Ah, ça y est, on y arrive. Ah, purée. Bon, vraiment pas un bon puzzle, mais cette team peut durer très longtemps. Euh, la question c'est est-ce que je le joue maintenant et je leur mets que 3 charges ou est-ce que j'attends pour lui en mettre 6 Bon, c'est sûr que je joue Kirill. Euh, je pense que je vais attendre pour en mettre 6. Hein. Quand même peur sur un mauvais combo. Elle, elle va augmenter le mana, ce qui fait que June peut déclencher tout seul. Quand même très peur. Je pense pas que June puisse me, me tuer ce dit non plus. Alors, je vais prendre 3 charges. C'est peut-être pas une bonne idée. 3 charges, c'est pas beaucoup. Hein. Tant pis, j'en prends 3. Et si ça se trouve, ça va changer. Je t'ai vu, gros guignol. Je vais reclaquer une énergie de tour. On va se faire 10 niveaux de plus. Bon, vais chercher mon mouton, là. De toute manière, là-bas, ça charge. Je pense qu'elle va enclencher June avec sa connerie, là, qui redonne du mana. C'est immédiat, je crois, ou c'est par tour Ah non, c'est par tour, ça va. Putain, j'avais le temps d'en faire 5, du coup. un gros blaireau. Oh là là, le puzzle est affreux. J'ai deux diamants violets sur le plateau. C'est une horreur. C'est une horreur. Je vais chercher mes trois jaunes, là. <coughs> Regardez-moi ça, c'est interminable. Je vais la perdre autant si on continue. Il y a mon violet, j'ai rien. J'ai obligé de le claquer là. En plus, je me prends les deux qui tapent. Putain, y a rien. Là, June peut tuer quelqu'un. Après, j'ai la hausse de défense de Kirill. Heureusement que j'ai pas mis le costume. J'ai deux matchs bleus mais ça suffit pas. Oh le bâtard, il va un petit Kirill en plus. Pas de rouge. J'ai pas de jaune. J'ai plus que cinq minutes. Je suis obligé de jouer vite. Trois charges, ça va pas suffire. Attends. Allez, allez. Ah, Skadi va remettre une couche. On va chercher les rouges. Vraiment, je trouve mes soigneurs. Ça fait très peur de perdre un soigneur, hein, puisque cette team mise sur le fait de, de grignoter. J'ai envie de vite retrouver Boltusk. En plus, il y a les flèches qui vont me faire chier au fur et à mesure. Bon, là, je vais pouvoir lui remettre d'autres charges. Par contre, parfait, impeccable. Bon, là, ça va retourner le, le raid. Ok, là, on est bien. Je vais lui remettre une bonne couche. Il pouvait ne pas me tuer mon mouton, le June, là, mais je pense pas qu'il puisse. Oh, il était pas loin. Oh putain, oui, s'il pouvait. Là, je vais lui remettre 5 charges, par contre, ça va lui piquer la tête. Ah, la 7 bah là, ça va moins faire les malins. Ok. Peut-être un peu de ma faute, hein. Prendre 3 charges, c'était un peu. Euh... Voilà 7, par contre, 7, euh... c'est. Ça... Ils verront pas de joie. il une team à plus de 5000 de puissance mais bon au final il y avait que il a que June qui tape même avec un puzzle tout bidon on s'en sort quoi ça marche pas c'est là où dit est fort hein. des gars comme ça euh, même sans puzzle il meurt hein. <coughs> ok un de moins bon ça c'était le plus facile maintenant et ouais, puis qu'est ce qu'on fait après et on tue. Peut-être jouer ma bleue. On va en prendre une où le vert est assez faible. Je vois celui-ci là. Kingston fait pas très peur. Fazer est chiant, on hein. va se mentir. On a quand même une team très efficace. Hein. Euh, lui, j'ai envie de le jouer avec mon violet par contre. Oh ouais, puis je vais le prendre pendant que je le vois. <laughs> ok, Yvan, carton jaune. Carton jaune pour Yvan aussi. <laughs> Il va sera obligé de regarder 5 niveaux de tour demain. 5 niveaux de tour que je fais avec que des frères Tuck. Bon, je vais mettre mon jaune qui m'a l'air très très bien adapté contre lui. Il n'a mis que des gars qui tabassent de partout, donc mon crampus est bien. Il y a une Sif, qui est le gros danger, mais qui est là sur des tuiles violettes, ça peut être super. C'est des héros très rapides, la Grève Maker et tout, mais moi avec mes violets, je suis aussi très rapide. Donc 6 tuiles, je peux contrer. Euh, je pense qu'elle est vraiment bien adaptée. Après, comme d'hab, avec cette équipe, c'est qui tout double. Mais bon, je veux que 6 tuiles. C'est quand même pas beaucoup demandé. Je vois bien que la soirée est difficile, mais bon, 6 tuiles quand même. Il y a elle que je connais moins bien. Ouais, bon, bah à tout le monde. Donc, déjà, si Krampus déclenche, ce sera que sur lui. Il y en a un givre. La lapine, Krampus, il aura enclenché aussi avant. Ouais, non, c'est vraiment bien. Juste Kingston qui peut bien me descendre en plus. Si j'ai six violés ça gagne quand même relativement vite. Je pense que sif fait tombe. Une fois qu'il n'y a plus six là-dedans, ça passe. Bon, j'espère qu'ils vont me filer mes, mes six violet quand même. Je ne pas beaucoup de demander. On n'entend plus Isaac mais je vois qu'ils s'en vendent des excuses dans le chat. On va aller voir. Alors, bah, c'est bon, c'est gagné ça non Jaune, ça fait les violets. Le coup d'après, les trois violets. C'est fini. Je pense. Oh, c'est mal calculé. Ah non, si, c'est bon. J'avais cru que ça se faisait en haut. Hop. Alors, Isaac, t'as fait quoi On ira voir juste après, t'inquiète pas. Putain, je pensais que c'était gagné, mais pas tant que ça. Isaac a fait de la merde. Est-ce que je vais taper sif est-ce que je vais taper elle là enfin, je vais clairement aller jouer une fois qu'il sera mort uh, Feather... grave maker je vais aller jouer à droite là hein. euh, la gauche me fait plus peur ils peuvent descendre tout le monde là tant que j'ai pas enclenché crampus on va y aller comme ça bon ça c'est cadeau ça aussi ça aussi et après on regarde grave maker il meurt maintenant à je peux la mettre ou je peux la garder parce qu'elle va enlever tous les bonus de sif si jamais elle venait à déclencher Il ne s'agit pas de pas faire le clown parce qu'il y a quand même beaucoup de tuiles à remonter et les deux-là peuvent finir le raid à elle toutes seules. Hein. Le lapin suivi de elle, Je pense que le raid est fini. Ça ah, reste peut-être Krampus, mais j'ai plus aucune CS il ne se passera plus rien. Maintenant, ah est-ce que Amétrine arrivera à tuer Sif Pas certain. Alors là, j'ai déjà 4 bleus il en faut 9. Hein. Si je fais le diamant jaune, j'ai un diamant bleu. Ah non, lui il va remonter. Il n'y a pas moyen d'aller chercher ce diamant là C'était bleu horizontal avec les roues. Ouais. J'ai pas trop envie de jouer sur elle quoi. Même si c'est pour gagner 4 bleus. Euh... Si elle peut déclencher, ça ne me dérange pas trop. Ça va juste charger une mana Kingston. Lui il tape une cible. Je préférerais jouer à droite hein, clairement. bien remonter lui faire un diamant Sûr que les bleus ça reste quand même un très bon mouvement ça m'embête de mettre des tuiles sur elle là une fois qu'elle va balancer du givre à tout le monde j'ai vite tomber. c'est des chips hein, mes violets là après c'est sûr que si euh, les trois rouges dans le vide s'il y a un peu de violet qui remonte c'est fini oh, le diamant bof mais il y a tellement de jaunes que je vais peut-être y être obligé. Hein. Allez, on va suivre ce que dit. Euh... Il ouais, y a les verres au pif, mais là, c'est trois tuiles avec. Ouais, non, les verres là. Non, je préfère envoyer trois tuiles dans le vide et regarder. Je me fais un petit mouvement pour regarder. Oh, il m'en manquait une. Putain, une violette là, et c'était reparti. Elle, elle me fait peur là. que oh, je le sens pas celui-là. Je pense que je vais t'en voir s'il n'y a pas un violet là. Putain. Oh, là, 3. oh, bah par contre là. Kingston il rentre chez lui. Et la fois 2. Allez ah, pour qui la fois 2 ah, Est-ce que je leur mets la fois 2 ou est-ce que je finis ici Oui non, je vais la finir. Tant pis, la fois 2 sert à rien. Putain, je pensais passer mes trucs dans le vide, ça marche pas. Alors une grande idée de Thibaut en direct. 72. Ouais, mais elle va mourir avec, euh, elle va mourir avec le dot de 63 de dégâts par tour. Elle prend. Faut que je lui mette 3 bleus et elle va mourir. Sauf si elle déclenche, elle se soigne. Elle. Vas-y, ça meurt ça normalement là. Elle meurt avec euh, Victor avant de déclencher. Allez, puis tout le monde réenclenche, c'est fini. Ah non. Enfin, c'est pas très grave, je pense. Elle va mourir après là. Elle meurt toute seule. Coup de flèche. Oh, ça me fait peur. Si les deux déclenchent, c'est fini. Hein. Heureusement que j'ai retrouvé autre chose. Ok, cette fois, ça devrait le faire. Bon, quand même, je trouve Krampus. Hein, parce qu'avec les flèches qui viennent en boucle, un coup de la lapine et c'est plié. Hein. C'est vraiment le gros danger sur ces GDA. Et là, Crampus va me le sauver le raid. Ok. Alors là, elle peut y aller, rien à battre. Par contre, il va falloir me filer du violet que je la finisse quand même. Ok, cette fois ça devrait être bon. On n'était pas loin de la correctionnelle, je pense. Hein. Pas mal sur cette GDA de mettre que des héros qui attaquent tout le monde. Hein. Dès que le raid dure un peu, vous voyez, il euh, y en a un qui peut plier tout le monde. Bon, j'avais pas de soigneur aussi. Ok. Ensuite, la bleue. Donc la bleue avec les deux ninjas et Rigard. Et Manny et Morel. On mise beaucoup sur les compétences spéciales des bleus. Il faut vite 6 suite bleu ou 9 piles bleues. Il est dur. Hein. Euh, lui me semble pas mal. Par contre il y a Kongalash là qui va me... Je vais être faible contre lui et je suis pas fan. C'est quoi toutes ces finitions qui sont pas faites aussi là Normalement, c'est pas possible, ça, chez nous. Bon, lui aussi, je pourrais... J'aime bien Chevalier Noir en tant qu'avec cette team bleue, mais Frigg, dans ma couleur opposée, et là encore... Si, quoi, je m'en passerai. Oh, il n'y a que du lourd, hein. Oh, alors lui, il a... Oh, il n'y a que des fous là. Et là, j'ai quoi J'ai Mère Nord dans ma couleur opposée. Ça pique, hein. Non, je sais pas quoi faire, là. Il reste que de la merde sur le plateau. Eh, Café Isark Eh, euh, le chat pour Isark. Oh là là, Pixel. Un grand bravo à Pixel, quand même. Putain, 300, bravo. Et notre ami Isark, il est où Ah, bah, c'est pas mal. Ça va, 186. Je m'attendais à te trouver au fond du trou. Ouais, bah ouais, moi, c'est pareil. Hein. Je mets ma moins bonne équipe sur la fin, donc euh, il reste le trou à chaque fois. On fait tous la même, hein. Euh, là, je suis quand même embêté, hein. j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équipe que je peux prendre avec ma bleue. Enfin, pas d'équipe euh, bien adaptée. Celle-ci, ça me semble être la mieux, mais j'ai peur que Frigg me la mette à l'envers quand même. Hein. Un chevalier noir qui enclenche celui d'une Frigg et c'est fini. Oui, oui, mais bon, ça arrive sur l'étude, 186, c'est pas, pas 25, quoi. Attendez... Euh... Oh là, je ne sais pas quoi faire. Allez, on va tenter lui. Hein. Alors. Alors, alors. Est-ce que je me regarde dans sa version normale ou costume Euh, c'est principalement Fric qui me fait peur là, c'est vrai que si on enclenche après un chevalier noir, tout le monde sera un peu abîmé. Et je sais pas si au tour par tour c'est si bien que ça ou si on préférerait pas un énorme soin. Je suis euh, obligé de mettre la 23 parce que j'ai pas pris le bonus mana chez lui il me semble. Ok, ça. J'ai hâte de remplacer ce Manny là qui sert à rien. Je ne sais pas si vous avez vu, même le ninja est plus fort que Manny. Oh vas-y. Oh. J'étais prêt, j'étais prêt. Ok. C'était pour chauffer mes héros. J'aurais mis un petit coup de pression, ils ont cru qu'ils allaient pas jouer. Allez. Je voulais regarder, vérifier que je faisais. Ah, il y a le face gaffe au côté. Avec Jabberwock, je vais mettre mes deux ninjas qui potentiellement peuvent esquiver. Euh, on ne sait jamais. Hein, si jamais ça leur prend d'esquiver grâce à leur capacité euh, du fait que c'est deux héros de la même famille. Un peu euh, un peu incroyable, mais bon. Et lui, il se cache. Ouais, lui il fait pas trop peur. C'est frig, hein. Frig me fait peur là. Ouais, c'est en costume. Après le boost d'attaque, si je trouve mes bleus, normalement je fais le trou et ça se passe bien. Si je trouve pas mes bleus, on va dire que si je trouve du violet, euh, le boost d'attaque fait que mes bleus seront très impactantes et j'en ai quand même envie là parce que si je trouve 9 violets, que c'est toujours pas fini. J'ai envie que les tuiles bleues qui remontent aient des gommes des gens parce que ça signifie que je vais sûrement perdre. Donc je vais mettre le costume. Allez, on y va. Oh, c'est pas mal. Pas beaucoup de bleu mais je pense que je vais en trouver 6. Je sais pas encore comment. Et 6 bleus, dont 3 sur chevalier noir, c'est-à-dire 3 tuiles sur chevalier noir suivies des deux ninjas. Normalement je tombe au moins le tank. Alors c'est pas gagné hein, notamment avec Frig, mais je pense que je vais pouvoir le tomber avant qu'il déclenche. Putain, mmh. ça va bien, mais je les vois pas pour l'instant les 6 là. J'ai vraiment envie de lui en mettre trois dans la gueule, lui. Hein. À mon avis, il lui faut trois bleus suivis des deux ninjas pour que ça suffise. Euh, par contre, je vois réellement pas comment faire six tuiles bleues par le bas. Ouais, mais ouais, enfin, je dépend de ce qui remonte, quoi. Hein. Donc, j'ai trop. Fait que je suis d'accord à choisir. Je préfère les prendre par le bas et laisser des bleus traîner là-haut euh, ensemble. Mais pour l'instant, je ne vois pas garantie. Hein. Je les vois garantie nulle part. Bon. Météorite confirme avec ses yeux de lynx. Allez, bon, on va par le bas. Et on prie. Oh, bah, regardez, elles étaient là. Ah, tout droit. Trois oh, dans la tête. Ah, puis là, j'ai mes deux ninjas. Bah, là, je peux vous dire je vais chercher les neufs. On va chercher les neufs et les deux ninjas, ils vont attendre. Ils vont faire leur fois deux sur Frigg. Ce serait bien. Ce serait bien. Bah, il est là-haut. Hein. Allez, on réfléchit pas, c'est bon. Morel a pris le... a pris ça, mais ça va pas être gênant. Est-ce que j'en mets un peu sur Frig ou est-ce que j'en fous trop au milieu Je sais pas trop. Bon, j'ai presque envie d'en foutre trop au milieu, mais je pense pas que j'arriverai à la fois 3 des ninjas quand même. Ou bon, est-ce que je le prends par le bas encore Ah <laughs> <laughs> eh, il il va nous faire une syncope. Euh, je, je, à un moment donné, j'ai envie de lui mettre 2 trois tuiles à Frigg quand même là. Hein. Euh, le fait de les passer dans le vide, ça me change de rien. Je ferai pas à la fois 3 des ninjas et en faisant ça, je commence à faire un peu de violet sur Jabberwock. On ne sait jamais. Moi, je tente comme ça. Je ne pense pas que les deux ninjas euh, ouais, auraient suffi sur Frig. et surtout, elle peut esquiver. Hein. C'est ça qui me fait peur. Donc, je préfère lui caser un peu de dégâts de tuiles. On va voir si j'ai raison ou pas. Bon, clairement, je vais jouer le côté gauche. Alors, il y en a deux qui esquivent quand même. Il esquive aussi lui. Ah, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Peut-être que je devrais m'assurer de tuer les deux guignols ici. Ah ouais, eux, ils sont sûrs de ramasser. Et ah, du coup, j'aurais dû jouer dans le vide alors. En fait, j'aurais dû jouer dans le vide, comme théories disait, et taper à droite. C'est très risqué de taper à gauche parce qu'ils peuvent esquiver à fond là. Donc je crois que je vais m'assurer un gros trou ici. Euh, ça me ferait mal et si je balance 2-3 CS sur Frig et qu'elle esquive tout. Euh, franchement je me retrouverai comme un con. Et en plus en sortant ça j'ai rigard. Bon et on va voir. Est-ce qu'elle aurait esquive Non. Ah bah, je suis content de lui avoir mis les dégâts de tuée, du coup. Ça passe. Bon bah là, je pense que ça va être tout droit. Normalement c'est gagné, ça. Hein les ninjas peuvent déclencher en boucle là. Hop Les ninjas déclenchent et je vais les tuer tranquille. Hein. Une fois que le trou est fait, euh... bon là c'était tranquille avec les... <laughs> les trois bleus sous chevalier noir. Oh j'aurais pu éviter de le déclencher, ça va me prendre une plombe, j'ai pas pensé. Il va se planquer là. Ah non je peux le taper quand même. Oh, je sais même pas, je le connais pas ce héros, il est tellement nul. Ah non, il se planque rien du tout. Il ramasse. Ok. Bon ça c'était cadeau. Bon là par contre... Euh, les choix se, se restreignent là. Hein. T'en as choix entre ça. Oh. Oh, ok, c'est lent autour, mais euh, bonjour quoi. Ah, il y a King qui est là aussi. Ouf, King, c'est le roi de la finition chez nous. Très très fort en finition, King. Bon, y a lui, le tank fait pas peur là quand même, c'est deux héros lents. Je me demande si lui, je devrais pas jouer avec mon jaune. Il me reste quoi Il me reste ma jaune. Après, c'est ma verte. Oh, ma verte va être très faible, elle a pas le niveau. Et mon mono rouge, ça reste pas fou. Mon mono rouge, il faudrait que je passe contre un Octros. Ouais. Là, je sais, j'ai pas de quoi finir ma GDA, c'est trop fort pour mes autres équipes. Hein. C'est beaucoup trop fort pour mes autres équipes, je trouve. plus si je joue ma jaune c'est avec Motega du coup lui il va être casse-couille ça me paraît vraiment fort là je vois pas trop qui je peux taper avec ma jaune euh, Après ma verte jaune et avec frig là c'est pareil Je vais jouer contre la couleur opposée donc euh il faudrait que je rentre un caméléon presque une idée. Hein. Je demande si on va pas faire un petit écart aujourd'hui et changer ma verte jaune. Euh, changer ma verte jaune à cause du tank rouge. Vous savez que je ferai un truc genre caméléon, frig, almure. Euh, ça me permet de récupérer mes deux jaunes sur, euh, sur mon mono jaune. Du coup, je vais jouer un mono jaune. que Je peux peut-être jouer ici. Oh, c'est fort. Hein. Oh, les mec. Tiens, bah, ben, j'ai Blanche-Neige. Tiens, Blanche-Neige, Briquet. Elle arrive quasi à 1000 quand même. Hein. Enfin, elle, s'il y a des cloches chez pique aussi. Hein. Oh. Oh, ça va ramasser tout le monde. Après, il y a une Liana qui fait pas très peur ici. C'est fort. Salut, le gros mort. Bienvenue. Oh, je sais pas quoi faire là franchement euh, j'ai l'impression d'aller au suicide, quel que soit le... Quelle que soit l'équipe où je vais. J'ai presque envie d'attendre que les copains fassent autre chose, mais... Il y a du trop trop lourd là. Je me dis même si j'ai les tuiles, ça va pas bien se passer. Moins fort c'est ici, je trouve. Et encore. Il mise sur le fait que le raid dure longtemps, hein, parce qu'avec les soins, euh, l'esquive, et derrière quand on le déclenche, avec les, les flèches qui sont passées avant, c'est fini. Il me reste trois frappes. On a fait 3 sur 3 là. Mais bon, il me reste trois équipes. Euh, beaucoup plus faibles. J'ai bien envie de tenter. Euh... En fait, je vais changer. Hein. D'habitude, je fais des 3-2 ou des 4-1. Mais là, clairement, c'est pas possible. C'est trop fort euh, pour moi. Hein. Donc, le. Euh... Voilà, ouais, je peux pas jouer mon 3-2 habituel. En plus, c'est un 3 où le vert est fort. Avec Frigg, Frig, euh... Frig Liana, Mélandor, ça gagnera pas. Hein. Même avec 9 tuiles vertes, là, ça ne passera pas. Donc, du coup, je vais transformer mon 3-2 en... soit en mono, soit en 4. Et c'est dire que mon mono jaune va être. Je vais jouer un mono jaune, du coup je suis obligé. Hein. Trop fort. Beaucoup trop fort pour moi. C'est un mono jaune qui va esquiver dans tous les sens. Et ça veut dire que je vais aussi faire un mono vert et je vais peut-être foutre un caméléon pour le coup. Euh, il va transformer le rouge, il va transformer le rouge en vert. Oh là, là je sais pas qui prend, ils sont vraiment tous trop forts, quoi. Trop trop forts. Pour bon, lui, c'est le moins fort, clairement. Il n'y a que du lourd, hein. Qu'est-ce que ça donne si je fais un... si je change mon verre Rapide, rapide. Ça peut être un Kaïdman ou une Nihana, on va dire. Un Melandor, ça sera aussi. ça, ça suffira pas non on a dit on joue contre du vert donc faut que je les transforme complètement un truc comme ça du coup on va dire plutôt on va enlever mes landors. si j'ai du vert je suppose que je gagne si j'ai neuf verts donc soit ça soit Ansel soit Lyanna bon, pas Pascal de mon je pense on va dire il faut foutre un soigneur là-dedans si j'ai pas ma couleur. Il me reste soit Sabina, soit rien du tout. Mais l'endorbe, on va le garder. Il va jouer avec les quatre jaunes du coup. Enfin, ça fait que la soigneuse, c'est Sabina. Merci du cadeau. Bon, ça fait une petite équipe improvisée. Pas sûr que, que ça marche cette histoire. Hein. Sabida empêcherait déjà Anitra de mettre ses bonus. Ça c'est pas négligeable. Ensuite, pour lui à mon avis, on va dire que si lui déclenche, je peux rentrer pleurer, c'est fini. Elle si la fois de tombe c'est pareil. Oh là là, ça sent quand même... Euh, ça sent quand même pas bon cette histoire. Hein. Euh, on est d'accord qu'au final... Est-ce que je garde Kaedmon pour enlever les bonus d'Anitra si jamais j'ai pas eu de violet et que j'ai eu le vert Ou est-ce que je le mets pour enlever le, le feu de Marjana ou la baisse de défense de la baisse d'attaque de lui Sachant que Caméléon va contrer sa baisse d'attaque à lui. Euh, je dit, depuis longtemps emblémer Caméléon tellement il me sert souvent. Je vais le faire là, je pense. Euh, je vais lui en mettre un petit peu, juste. Je vais le passer à 7. J'ai plein d'emblèmes dorés en plus. Aucun héros magicien et j'ai surtout euh, une trentaine d'emblèmes rouges, je crois. Euh, je vais en donner 7. 3, 4, 5, 6. Ouais, même 6. Hein. On s'en fout du bonus magicien. <laughs> Oh, fric. En fait, j'ai vraiment peur de mes dégâts de tuiles qui soient trop faibles ici. Donc, euh, pour ça que j'en je mets un peu. Ah, ok, wide. Ouais, ouais c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Enfin, là, il est lent. Pour moi, si qu'on galère, je déclenche. C'est que le raid, je l'ai perdu là. Euh, mon objectif, là, on va dire que c'est de trouver 9 verres. De détruire le côté gauche. Et après, de bricoler euh, pendant que ne, avant que l'élan ne charge. Quoi. Si j'ai pas les 9 verres... Bah C'est quand même de jouer à gauche et d'essayer d'enclencher Sabina qui viendra bloquer Anitra, qui est la plus pénible. Hein. Et donc euh, si j'enclenche Sabina, que je bloque Anitra et que je trouve les 9 verts tardivement, ça marchera aussi. Et je pense que dans tous les cas, si j'ai pas les tuiles et si ou si je suis obligé de jouer à droite, je vais perdre très vite. On va y aller comme ça. Euh, on vérifie que tout le monde déclenche bien. Ouais. Maintenant, j'hésite. Je peux remplacer Almur euh, par Ansel qui viendrait bloquer quelqu'un au niveau mana. Mais bon, je vois pas trop l'utilité ici. hein. Oh, frère Tuck. <laughs> je vais être Frère Stuck. Et je peux remplacer Kaedmon par Liana. Mais mon Kaedmon est devenu plus fort maintenant qu'il est breaké. Puis bien plus utile. Bon, on y va comme ça. Allez. Bon, je le sens très moyen cette histoire. Hein. Oh là là, c'est un signe ça. Hein. J'ai passé 3 heures, ça lui a pas plu. Ouais, c'est pas grave. Ça me donne envie d'y retourner quand même. Hop, de, derrière je pourrais faire un 4 jaune avec mon, avec mon Mélan d'or et en plus je gagne Odin et... Odin et Chacal, ouais bah ça va être que des équipes, ça va marcher mieux. D'habitude je fais des 3-2 sur ces deux équipes, mais là c'est trop fort pour que je passe un 3-2. Clairement. Euh, pas de blague avec Camélon, faut qu'il prenne la 23. Avec la ninja j'ai vraiment peur des dégâts de tuiles je peux pas de mon la 11 allez on y croit Alors, si je touche 9 verts j'y crois par contre hein. ça va ça va tomber hein. et ouais je pense qu'il faut les 9 verts quand même relativement rapidement il euh, y en a trois <laughs> oh, c'est pas ouf <laughs> oh, cette... Bon, allez, il y en a trois. On peut encore jouer à gauche un petit moment. Par contre, en jouant à gauche, j'ai pas le violet. Donc, je vais pas pouvoir bloquer Anitra avant qu'elle déclenche. Et ça, c'est synonyme de game over, clairement. Donc, je pense que je vais essayer de jouer. Et tant pis, je vais faire déclencher euh, Marjana. Et c'est pareil, si elle me tombe mon caméléon et tout après, c'est fini. Oh, c'est nul. Ça, ça, il va perdre celui-là. Donc, ça j'ai les bleus suivis des jaunes. Rien de très joli là en plus. Je crois que là il va falloir plus que du génie. c'est pas du génie, il va falloir des tuiles. Alors les livraisons express de chez Casto. On n'a pas un diamant rouge qui traîne dans les parages là quand même. Si je fais les bleus suivi des jaunes, les rouges, 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 rouges. Il y a beaucoup de rouges, ils ne sont pas encore alignés pour faire un diamant, mais. Euh, J'ai quand même l'impression que ce mouvement bleu est pas si mal et qui va... Ouais, va créer quelque chose au niveau des rouges, mais bon. Il faut un diamant de merde dans cette partie-là, il n'y a pas assez de. Il n'y a ni assez de vert ni assez de violet. Hein. Putain, on voit qu'il est pas loin. Oh là là, c'est moche! L'avantage, c'est que je vais même pas tomber le tank et que j'aurai pas besoin de faire ma finition dans cette histoire là. Hop, il y a va traces avec couille avec Milena qui va soigner Rapidos là. Je veux pas être pessimiste, mais celui-là, je vois pas comment je gagne. Hein. Je peux faire ça. Après, j'ai vert suivi de jaune. J'aligne deux verts. Reste pas fou, hein, mais et les trois violets se rapprochent. Le plateau paraît beau. Mais ça fait deux mouvements. Marjana va déclencher. Mais. Euh... Mais le plateau sera joli, entre guillemets. On va essayer. Je vais faire un plateau joli. Voilà, donc vert suivi de jaune. Les deux verts se rapprochent. Et mon plateau est beau, je suis ravi. Maintenant, je peux aussi en faire quatre. Est-ce qu'on ne s'approcherait pas des aussi laisser tous les verts en espérant qu'il y a un diamant qui se forme par miracle oh, on a les trois violets bon de manière là il va déclencher bon je vais continuer je vais enlever ces trois jaunes du plein milieu là ça me paraît joli tout ça c'est bien voilà c'est très beau les plateaux jolis ça fait souvent des combos oh là là qu'est ce que je disais un beau plateau je vais les trouver avant lui ah par contre, mon soigneur, euh, je ne vais pas la gagner parce que mon soigneur va crever. Mais on a notre combo quand même. Alors, on va sortir le côté gauche pour les copains. Toujours Caméléon en premier hein, parce qu'il enlève tout. Malheureusement, Milena devient forte, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir tomber au moins Marjana. Euh, voir sa petite copine là. Est-ce que je joue à le mur avant ou Frig alors, on va jouer comme ça. Bon, j'aimerais bien tomber lui là. Ah ou je peux essayer de tomber elle parce que derrière, je vais sûrement réussir à charger celle-ci qui fait que elle ne fait rien. Oh, c'est très gourmand ça. Hein à mon avis, papa Kaedemon, il n'a pas, pas les muscles pour la sortir quand même. Oh, franchement, est-ce que ça se tente Oh, jamais de la vie il peut détruire une millénale là. Ce serait peut-être mieux de faire un trou pour les copains. Oh, je la tente, ouais, mais elle est rouge en plus maintenant. Allez vas-y papa de mon en fais moi rêver. Oh Ah il était pas loin. Pas de combo sous... Oh pas de combo sous Kongalash, la cassez-vous. Voilà. Putain, elle va déclencher, je suis deg. 59 HP, c'était vraiment pas loin. Ça, c'est dommage. Hein et là, je suis sûr qu'elle va déclencher pour se soigner. Euh, on va lui mettre 3 tuiles dans la, dans la tête à lui. Hein. J'ai les bonus, il a la baisse de défense. Tant pis, il va déclencher et c'est fini, mais. C'est mon deuxième pari. Peut-être que 3 tuiles, ça le tue. J'y crois pas trop, mais on essaye. Parce qu'après, elle soigne, donc c'est mort. Oh, il ressuscite! Oh, il ressuscite, il se fait soigner. Les enculés. Comment faire perdre un raid Oh, puis elle est purge. Oh là là. Oh, putain. Mais si elle purge et du coup, elle, elle va esquiver. J'ai plus un verre. Alors, si elle était morte, lui il serait mort. Tout s'est joué à rien, là. Oh, fait chier. Putain, c'était vraiment pas loin. Moi, hein. ouais, j'ai été gourmand aussi. Hein. Alors là, ça va piquer. <laughs> vu comme ça ça fait l'air méchant mais <laughs> ah ça s'est joué à que dalle ah je vais peut-être au moins le sortir lui voilà rentre oh, caméléon qui est tout le temps caméléon qui est là bah maintenant elle a peu déclenché je m'en fous mais j'ai perdu mes deux les deux qui mettent des tartes là hein. donc là bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai même pas envie d'envoyer s'ils esquivent ils vont gagner de la vie j'ai même pas envie de les envoyer, mes bonhommes, là. À la limite, peut-être lui. Je sais pas si Caméléon peut rater son cleans Oh, on tente, on tente, meilleur point j'en suis. Ah ouais. Ah bah, écoute, allez. Et là, je dis, bah, on balance, hein. Il a quand même des héros très passifs. J'ai peut-être y arrivé. C'était tellement gagné, sinon. Chier. Ah, ça va peut-être passer. Oh là là mon camion qui passe. Ouais, oh, bah là on balance un. Je veux tuer cette mine-là. Yes Ça dégage. Comment je le tue lui maintenant Il ces sbires qui sont en train de me, de me plomber le... Il se soigne ou pas Oh, il a une CS qui fait 10 minutes. Il me reste 3 minutes, tant pis. Là. Pas trop le choix. Ah ça sert à rien. Il faut que je trouve... Euh... Du verre sous lui, je vais miser sur le fait de trouver du verre sous lui. 2 minutes 45, vas-y, il n'y a pas un verre. À quel point il fait des dégâts? Oh, ça se tente. Le problème, c'est les flèches, hein, comme d'hab. Ah, les flèches vont me la mettre. un coup de verre à le mur et derrière un deuxième coup de verre peut-être je peux c'est maintenant allez oui yes alors il est beau celui là 57 points dans la pesace ah ça fait plaisir lui il revient de loin que du coup j'avais mal joué j'ai fait deux fois le mauvais choix ça passe je vais peut-être que je vais finir par monter euh... par monter caméléon hein Franchement, on ramène du point. Ouais, c'était un beau combat là. Euh, je me demande si je vais pas monter caméléon à force en emblème là et, et rejouer cette équipe. Parce que c'était quand même solide et ça passe. Bon, c'est-à-dire que maintenant j'ai un, un mono jaune avec... J'ai un 4 jaune avec Mélandor. Oh, ça donne envie d'aller taper du crampus avec Mélandor. Euh, par contre, il y a Elisabeth, j'aime pas. En hein. 4 jaunes, je vais sûrement pas taper Wolfgang, c'est pas possible. Ça, c'est moins fort. Bon, Octros, ça fait mal aussi. Tiens, hein. j'ai pas trop de choix là. Euh. Euh, Mélandor en plus. Ouais, non, il enlève pas, il enlève les bonus des alliés. Il y a du lourd là, hein. il reste du très très lourd. Avec mes quatre jaunes. J'ai envie d'aller taper ça là, c'est une équipe qui est. En bas à droite, c'est lent. Ouais, c'est lent, mais... Ouais. Moi, lui, il me fait quand même plus peur. C'est que c'est excellent mais Dame du Lac et Ludwig, c'est quand même des énormes tanks. Et même s'ils sont lents, avec comme je joue pas en mono, mais en 4, je vais mettre du temps à les tomber. peur que ça ne suffise pas. Et mon jaune, il est pas fou. hein C'est du Chacal, Odin, Motega, Nitra, ils font pas grand chose ensemble en fait. Ça fait une équipe qui y a des gros gros dégâts de tuiles, mais bon, on... on tous un petit peu des trucs différents. Je sens mieux contre lui. Après la Mélandor c'est pas lui que j'aurais aimé. J'aurais préféré avoir un autre Rigar ici, clairement. Ouais ça veut dire un truc comme ça. Est-ce que déjà je suis j'ai les bonnes troupes Ce sera plus impactant quand j'aurai des vanas. Je pense qu'Anitra rentrera. Là j'ai des 4. Blanche-Neige bon, fais peur aussi. Hein. Mais bon je peux l'esquiver. Si je mets les papillons x2 et les... Il esquive d'Anitra, ça peut esquiver. Moi c'est Elisabeth qui me fait chier là parce que une... elle va plomber la génération de manettes tout le monde et Melandor, il n'enlève pas son. Sa défense fera pas de mal. Il hein. y a ouais qui pourrait rentrer. En fait je faudrait que je limite que j'enlève Motéga Anitra et, et que je joue le deux héros impactants. Il faudrait que j'en refasse une autre team. Hein. J'aime quand même bien aussi là, parce que si j'ai pas beaucoup de tuiles, en 6 tuiles, j'ai chacun les motégas. Après en 9 tuiles, Anitra et commencer à esquiver tout le monde. C'est vrai que Lixiu donnera un peu de tempo. Mais Lixiu, c'est 9 tuiles. Donc si j'ai 9 tuiles, j'ai le tempo d'Anitra aussi, en vrai. Si elle est comme ça. Euh, donc lui, il veut une 11. Elle, est sans tape. Odin aussi. Donc elle, bah, je vais jouer le dégât de tuiles à fond là. Hein. Je sors les troupes ninja. Je veux que les twin jaunes soient très très impactantes. Au moins, euh... j'ai du lourd quand même. Hein. 800, 920, 885. Ouais, voilà, ça envoie du steak. Hein. Quasiment comme si j'avais un mono là. En plus, avec les troupes ninja. Lui déclenche en 6. Elle, elle est rapide de toute manière. En plus, j'ai. Elle et moi, ne peut résister. Ouais, on va y aller comme ça objectif c'est au moins d'aller taper à et il faudrait quand même beaucoup beaucoup de tuiles pour que je la gagne celle là alors c'est pas si mal le plateau est beau on voit qu'il va, euh, va y avoir des combos trouve que le plateau est très très bien euh, je peux faire les violets là ça va faire les rouges ça va faire trois jaunes sur blanche neige par exemple ce genre de mouvement je peux aussi faire les trois rouges là ça va faire les trois violets euh, oui il va falloir choisir entre les deux je pense d'ailleurs J'aime quand même bien les violets suivis des rouges suivis des trois jaunes, même si j'aurais préféré jouer de l'autre côté, clairement. Par contre, dans tous les cas, j'ai un violet qui va rester très mal positionné au milieu. Ça fait chier. Violet là. Ah, J'aime quand même bien ces trois rouges aussi là. Qu'après, hein. j'ai mes trois jaunes à gauche. Les trois jaunes là qui vont se faire si on a un autre qui remonte j'ai neuf jaunes j'ai l'impression que les rouges sont mieux alors que là si je fais mes violets suivi des rouges j'ai tout de suite mes trois jaunes et après j'ai mes trois rouges et mes trois jaunes en deux mouvements ça va être très long bref là je reçois aussi en deux mouvements ouais, c'est un peu pareil Ah, et puis là, j'ai même 4 jaunes. Ah oh, je vais le faire là. Si je fais ça, j'ai 4 jaunes en plus. Je l'ai pas vu. Oh, je vais prendre mes 4 jaunes là. Même tout près d'un diamant si j'arrive à en foutre un autre là, là. Pas loin du tout si je fais les rouges. Mais j'ai un diamant jaune en fait. Si... Ah, ouais, non, j'aurais pu les violer. Je vais faire celui-là, je le préfère. Je vais prendre mes 4 jaunes là qui s'alignent et voir s'il n'y a pas un diamant quelque part avant de les faire. J'ai deux fois 4 jaunes. 2 x 4 jaunes. Euh, Est-ce que 2 x 4 jaunes, ça, déclen ça déclenche Anitra Ça déclenche Odin Peut-être pas Chacal, mais bon, je déclenche les deux rapides, j'ai mon boost de mana. Et surtout, je peux peut-être esquiver Elisabeth et Anna. Je ne suis pas sûr, ça, mais je pense que si. Donc je vais les tenter. Et en plus, si un jaune remonte, j'ai le diamant. Donc je vais tenter ce petit mouvement. J'ai pas le diamant. Mais j'espère que je pourrai déclencher avant Elisabeth. Donc 4. Je suis obligé de faire les 8 là. Hein. Mais je pense que deux tuiles Elisabeth ne déclenche pas encore. Ah j'espère. Ce serait vraiment triste. et c'est bon. Et je vais pouvoir l'esquiver. Parfait, parfait. Et le plateau se passe très bien, donc je pense que je vais garder Motega. En plus, j'ai le boost de mana. Et on va aller faire une fois deux de Motega pour être sûr de tout esquiver. En plus, Liana, je peux jouer sur elle, elle fait pas peur. Et là, oh, pas mal, trois esquives. Et là, en plus, les papillons fois deux, ça va le faire. Je pense que là. On va voir si en prime, j'arrive à esquiver. Oh, vas-y, elle a résisté, elle. En prime, j'arrive à esquiver euh, l'Iana là. Je vais aller tuer l'Iana et redéclencher elle. Hop, oh, et en plus, le, le combo. Donc là, ils vont faire démanquer à cause de Motega. Puis après, des esquives de l'autre. Voilà, il n'y a plus personne qui tape normalement. Hein. Et ils n'ont pas de soigneur, ils vont être baisés. Normalement, ça se déroule. Il y a juste les flèches qui peuvent me, me faire perdre. Donc faut quand même que je joue correctement à cause des flèches. Je vais faire rapprocher des jaunes. Voilà, les vieilles flèches de merde. Alors je vais prendre mes trois jaunes. On sait jamais. Papillon x2 sur tout le monde, ça sert à rien. Je vais gagner du temps avec les miens. Ça va gagner. Cool. Ah, je savais pas que tous les ennemis qui possèdent un sbire reçoivent des dégâts de sap sur trois tours. C'est pour ça qu'il m'a fait ça à tout le monde là Ok. Je savais pas qu'il attaquait tout le monde. J'ai été surpris. Ah, attends, Pixel, il me reste le rouge. Mon rouge est très faible là. Et j'ai pas gardé d'équipe. Euh... Donc sur le dernier. Et on n'y est pas encore hein, avec ces GDA de flèches de merde là. Bon, j'ai beaucoup de verre quand même. Voici bon, si, effectivement ça, ça devrait gagner. Je vois les dégâts de sable qui me met là. J'avais pas prévu ça sur les sbires. Pour moi, c'est GAD à flèche, c'est jamais gagné là, parce qu'on se fait tellement grignoter au fur et à mesure par les flèches que si on trouve pas les tuiles, ils peuvent nous la faire perdre comme ça. Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a tellement d'esquives. Ok, ça y est, on y arrive. Alors, je les ai toutes faites au timing. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec mon mono rouge par contre là. Euh, j'ai le choix entre la peste et le choléra. Oh là je sais pas comment je vais m'en sortir sur le dernier par contre. Hein. Une équipe à 5000. Ouais, j'ai que des équipes à 5000. C'est impossible. Euh... Avec ce qui me reste. Il me reste ça. Après, il me reste que du caca. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je ne sais pas. Eh, ouais, bah, rien, là. Non, ouais je vois pas comment je peux gagner avec ce qui me reste là. Hein. Donc, je suis obligé de jouer en mono parce que tout est trop faible. Sur mon mono rouge, si j'en veux que des qui déclenchent en 9 tuiles, c'est ça. J'ai pas de soigneur. Pas de soigneur dans la GDA de flèche, c'est euh, du suicide. Clairement. Ou je monte mon, le papa d'André que je comptais montrer de, monter depuis un moment. Ouais, je vois pas trop bien ce qui va se passer là avec cette équipe. Hein. Même si je mets gourmet costume et que je vais chercher euh, des sbires. Euh... Je peux regarder si Dame Loki a pas un truc incroyable à renvoyer. Mais ici, il y a rien à renvoyer. Je peux jouer lui avec gourmet costume. Avec André, non, il me restera que Norns là. Ouais, j'ai d'autres jaunes avec André. Oui, c'est vrai, un autre mono jaune, ouais. Avec Xiu, Wukong, euh, André, Norns. Pourquoi pas aussi Ça reste moins fort que Wilbur, Damloki et compagnie, je pense. C'est surtout que Damloki n'a rien à renvoyer. Hein. Sur le papier, Damloki c'est un bon héros, mais en vrai, euh, chez moi, il n'arrive jamais à renvoyer quoi que ce soit. Hein. Bon, j'ai lui aussi que je peux taper sans être trop gourmand. Euh, il vaut encore une cinquantaine de points aussi. C'est pas du tout dit que je le tombe. On en est où dans le classement là Est-ce que je peux aller, aller truster Ouais, 50 points en trust large. 30. Ah oh, il faut que je fasse 40 pour dépasser les gendarmes. Donc il y a lui qui est envisageable. Sinon je me fais une finition tout simplement avec cette équipe. Je n'ai pas non plus envie d'aller au suicide. Après ça, c'est vraiment trop bête. Euh, Peut-être celle-ci, du coup. Hein. Effectivement, sinon d'autres jaunes. C'est tellement fort ce qui reste. Je crois que je l'ai tenté celle-là. Mais même là, je vois pas trop. Euh... J'ai pas de soigneur, quoi. Avec des guignols qui tapent tout le temps. Ah. L'avantage c'est que si je le mets ici, euh, c'est vrai que mon rouge peut manger tous les sbires. Bon, laisse tomber euh, Wolfgang, il me couche tout le monde là. Wolfgang touche tout le monde. Mr Pingoui je vous raconte pas. Ouais, je sais pas trop quoi faire là, il y a que des... c'est trop trop fort. Je peux tenter lui, hein, mais à moins d'avoir des tuiles de fou, je ne vois pas trop ce qui va se passer. hein. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a C'est risqué. Ouais, c'est trop risqué. Oh ouais, ouais, il, il est trop fort. Hein. Trop risqué, ça passera pas. Je pense que je vais tenter lui. Et il va me falloir les tuiles rapidement, parce que comme j'ai plus de soigneur là. Hop. Euh, je vais mettre que des que des qui déclenchent en 9 tuiles. Hein. Donc, je peux mettre Gormek normal, parce que là il n'y a plus de. On va tout miser sur les dégâts de tuiles. Faudrait effectivement je réfléchisse à montrer d'André à faire une autre team jaune avec Griffin, Nixiu, Wukong, Norns. Ouais, je vais attendre d'utiliser toutes mes gemmes et je réfléchirai à une autre équipe GDA. Carlet prend la 2, ça c'est sûr. Dame Loki prend la 23. Oui, lui, la 11. Lui la 5 et lui la 5. Je remets le ici. Ça n'a aucun sens. mis sur les dégâts de tuiles clairement mais il va falloir des rouges et très très, très vite pour gagner là hein. franchement sans soin avec les flèches et avec des gens qui attaquent tout le monde comme ça voilà On part un peu à l'abordage euh, bon il y en a trois <laughs> Il euh, y en a trois, il y en a trois. Bon par contre il y a une possibilité de diamant rouge. Hein. Je vais faire les trois violets. Oh j'aime pas trop faire le mouvement quand il me le suggère. Mais si un rouge remonte ici, il y a diamant. Il y a diamant direct. Ce serait dommage de pas le tenter vu la gueule du plateau. Gros mouvement de merde. Hein. Franchement euh, on est en train de miser sur des gros coups de bol mais bon. S'il y a rouge, il y a diamant. Oh il n'y a pas de diamant. Y a pas de diamant du tout. Il enfin, n'y a rien du tout. Deuxième chance de diamant avec les trois bleus par contre. De toute manière, là c'est horrible. Hein. C'est horrible, j'ai pas de soigneur, j'ai pas le temps. Si Odin déclenche, c'est fini. Je trouverai pas neuf rouges. Donc on va retenter. Le diamant. Oh là là, il n'y en a pas une. Bon, bah celle-là, elle est perdue. Euh, du coup, on va peut-être enlever des rouges avant qu'il tape Octros pour essayer de. Ça... que ça fasse pas trop trop mal. Je vais me permettre un tour à jouer à droite pour pas qu'il déclenche et je lui balancerai après toutes les autres. L'autre solution, c'est de retenter encore le rouge. Par contre, euh, je lui donne 3 tuiles de plus. Je ne sais pas ce que ça représente en dégâts. 20% par dégâts de supplémentaires, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 60% en plus que je lui donne. Voir celles qui vont remonter, ça fait beaucoup, ouais. Il va tomber tout le monde, hein. Ça, enfin, c'est bien pour ça que j'aime pas jouer en mono, hein, franchement. Ouais, je vais jouer à droite, mais on voit que ce raid est perdu, hein. Enfin, là, à moins d'une remontée extraordinaire. Euh on va jouer à droite, puis on va tomber des tuiles là plein centre. Et sauf à ce que des millions de rouges remontent, c'est fini. Mais bon on le savait avant même de l'engager, hein. j'avais pas, les... pas les héros pour jouer ça, pour jouer euh, pour jouer le dernier. Alors soit je prends les verts, ça fait les bleus après, j'élimine au moins 6 tuiles. Je prends les jaunes, très nul. Faire 4 verts c'est très nul aussi. Trois verres plein centre, tout est nul. Il y a beaucoup de choses nulles. J'aurais bien quand même réussi à en tomber un pour les pour les copains. Le vert suivi des bleus, je vois même pas ce que j'espère de toute manière. Je pense que je vais pleine pleine balle au centre. Je vais espérer un rouge juste pour le tuer lui en fait. Tant pis, hein, je fais pas de... pas de gros mouvements, mais j'ai juste envie de tuer le tank pour que ce soit plus facile pour les potes. Il enfin, y en a pas un. Hein. Ah bon, de toute manière, les tuiles sont pas là, là. Regardez ce que je prends. Scarlett, elle a rien compris. <laughs> Scarlett, elle s'est fait démonter. Vas-y, il y a pas moyen que je réunisse trois. Ah, Peut-être que deux rouges vont suffire. On va essayer les deux rouges avec le dragon pour au moins tuer Octros là. Je vais même pas le tuer. Je sais même pas si je vais réussir à le tuer pour les copains. Oh là, je vais pas y arriver. Ah bah là, c'est fini, je pense. Ah non, il y en a un qui ressuscite, je pense. C'est Dame Loki qui ressuscite. Bon, est-ce que je peux tuer ce putain de. Il va ressusciter à tous les coups. On va pas faire le diamant, on va essayer de le tomber. Hein. Oh, il meurt pas. Je suis mort, là. Ah, c'est fini. Putain, dommage. Bon, de toute manière, il n'y a pas les tuiles et c'était trop faible. Il faut vraiment que je me trouve une sixième équipe. A chaque fois, ma rouge, et perd. De toute manière, c'est le... mon problème ici. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne On en est où Euh. 4300. Il nous reste 58 attaques. Ah ouais, non, mais ils ont pas joué du tout. Ouais. 58-30 il leur reste 35 attaques de plus que nous. Ils font que des one shot. Ouais c'était une, une belle guerre quand même. Et malheureusement sur le dernier euh, euh, on va dire s'il leur reste que des one shots à 35 x 50 ils arrivent combien? 1750 de plus Bon, ils vont pas faire des one shot mais 4-9, ok ils en font la moitié, ils sont comme nous. Ouais, j'ai quand même pas l'impression qu'on est euh, qu on est devant. Hein. Vraiment du, du très lourd. Ouais bah merci à vous. Merci pour les, les conseils les amis. Euh, il me reste un peu de tournoi arrête, faut pas que j'oublie. Je regarde Ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien. Euh, alors, bon, je fais les deux qui me restent et puis euh, et puis je file. Ah, il m'en reste trois. Alors, ah, bah, vrai tank. Là, on va jouer comme ça la question c'est est-ce que je viens ouais salut Yvan à la prochaine est ce que 240 tout le monde reçoit moins 34% d'attaque je vais pas jouer mon propre vrai qui sert encore à rien enfin, c'est triste hein. donc je vais garder cette équipe là Allez, on y va. Voilà, c'est la folie. Très beau puzzle. Voilà, J'ai aussi un match vert là-bas. Ah, J'hésite. C'est que si je fais ce vert, je vais en laisser un tout seul là-haut. Je vais décaler cela avec les violets qui vont se faire. J'ai bien envie de faire les trois rouges parce qu'il y a un vert qui sort, c'est diamant. C'est vachement tentant, c'est plein centre. C'est vraiment, c'est pas beau. voici après on a quand même si en fait, avec ça tac tac bon, je vais le faire parce que ça fait si violet autour d'après avec les trois là hop et en plus les versements c'est cadeau on va faire si on va tout de suite faire evren avant qu'il se passe quoi de mauvais J'aurais des gagnés j'ai les trois verts derrière Il aurait pu crever. j'ai pas envie d'envoyer juste pour ça. Je vais attendre de voir un peu. Ouais, bon, on va pas prendre de risque. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà, ouais, il y en a deux partout. J'ai pas réfléchi à l'XU. j'ai tellement l'impression que c'est gagné que je joue peut-être un peu trop vite. Oh puis j'ai même pas. Pourquoi il n'a pas, il a pas été baissé par l'XU lui Il a pris. Ah, il a fait le bouquet de mana. Tiens, va bah, se rapporter de moi. Je m'applique. On sait jamais dans ces tournois-là. bête de le perdre. Je n'importe comment. Euh, bon, rien. Des diamants de toutes les couleurs. Misère de misère. Voilà, sauvé par les ninjas. 3 de maîtrise. Hop, ok. <coughs> Aucune. Ah, league tank. Euh, il m'oblige à jouer en violet. Non, tant pis, je suis obligé de mettre un chat. Euh, je suis obligé de mettre un chat pour les dégâts de tuiles. Quel est mon costume pour euh, la baisse de défense de, de Tipertus mécaniquement? Ah non, est-ce que c'est pas Ansel qui remplace Almur aussi Almur. Euh... Ah, il est bien aussi, il est briqué. On va jouer comme ça. Ok, bon, voilà bah là j'ai mes six. Voilà, on va pas trop chercher, hein. je vais les prendre dans l'ordre. Hop. Euh, par le bas ce sera très bien ça va pas me déclencher oh là là ça trop je sais pas qu'il y a plus personne sur le stream là parce que oh là c'est monstrueux Ah oh, ouais tout ce qu'il y a franchement c'est affolant là, tout ce qui tombe Scandaleux, il la baisse de défense du chat en plus. Je pense que de chaos là, plus lui, bon, puis on va pas trop le chercher. Je pas. Ouais, je peux peut-être quand même déclencher une fois mes deux verres avant d'aller chercher le diamant. C'est quand même plus propre, mais là c'est tellement abusé. C'est clair, c'était une belle team en face, mais bon. <laughs> Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le gars, avec le puzzle que j'ai eu On le voit en plus, hein, j'ai eu des millions de tuiles et, et ça tient son truc là. Hein. Et le poison, il a, il, a, il a ramassé des tonnes de, de bleu, de vert et de violet. Euh, son équipe était vraiment bien. Et le dernier. Ah, ça j'aime pas là. Marcel, c'est fort. très chiant lui je l'ai pas eu Bon, voilà pas le choix on va garder qu'il y de mon costume je vais mettre en sel si jamais il déclenche euh, deux fois que je puisse le bloquer très bien de jouer jaune mais bon les deux violets qui déclenchent en six tuiles sont vachement meilleurs hein. j'aurais préféré contre tiburtus mais là alors, faut jouer cette équipe et moi j'ai le droit à une défaite par jour donc c'est bon oh là là mais je régale sur le <laughs> On euh, juste pas le gâcher, mais bon. Et je fais celui-ci, après je vous abandonne. Il faudra que je file. Il s'agit quand même de pas le gâcher celui-là. Hein. Je vois pas, j'en vois que 6. Ouais. J'ai même pas envie de faire. D'abord les trois violets ou les trois jaunes au milieu pour voir ce qui remonte. Pour l'instant, je vois pas de bon combo. Ça se met pas dans le bon ordre. J'ai envie de faire les trois jaunes suivis des trois rouges presque. Trois jaunes là, mais bon. Je vais quand même pas trop rigoler avec Marcel et Tiburtus. Ouais, le puzzle, il paraît bien, mais là, il, en fait, il est... Enfin, moi, il me paraît bien bloqué, surtout là. Et même ces trois jaunes, je vais séparer aussi mes violets. Salut, Yann Ah, t'arrives à la fin de la bataille, là, à ses dernier combat. Après, je file. Je reste sur mon idée première avec ces trois jaunes suivi des trois rouges. Ah, je vais le tenter. Ça me paraît vraiment mieux. Ça paraît bizarre, mais... Bon, alors là, déjà, on a un verre qui est remonté. Ça paraît très bien. Je vais le faire jusqu'au bout et je vais regarder. Bon, voilà, ben c'est mieux. OK. Bon, ben là, j'en ai 6, 7. Allez, boum Tous ensemble, et 9, et c'est terminé. Ok, ok. Oh, le lourd Chao là. Euh, je sais pas. Bon, ça me paraît gagné dans tous les cas, mais bon. Bah oui, GG, celui-là, le, le tournoi se passe bien pour le moment. En plus, ma dev tient. Oh, le Chao qui se met un petit sbire. Je pas vu venir celui-là lui on va le faire déclencher exprès quand même a fait ça pour ça ah merde je vais être obligé d'aller quand même de chaos là faudrait pas qu'il déclenche encore pas un bon calcul de ma part bon, c'est pas grave je vais faire ça ah cool théo bien joué qui en tant que Dis-moi rapidement parce que là je suis sur le départ. Hop, Par direct. On va regarder le classement quand même. Voir s'il y a quelqu'un dans le top 100. Voilà, bon moi je suis très bien parti. La défense, c'est sûr qu'elle est A. Euh, classement, je suis en 1007, ça passe largement. Je pense que j'ai mangé un rang B le premier jour. Ah, super Moi j'ai été B le premier jour et maintenant c'est A, c'est bon. 1745 avec une seule défaite ça va le faire largement ouais ça va passer putain 15 sur 15 ah bravo Mélars putain c'est dommage que la défense est pas suivi hein. 15 sur 15 c'est beau bon les amis je vous abandonne euh, merci pour le, le live c'était vraiment cool et puis euh, bah, je vous dis peut-être euh, peut-être à demain je pense hein, euh, si j'y arrive allez à plus tard tout le monde salut